Vidéo très particulière, voilà, dans laquelle on va tenter quelques expériences un petit peu farfelues. Et évidemment, pour la vidéo, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de mon petit fiston qui est... ah bah, le voilà. Coucou Twitoui. Salut papa. Comment tu vas Twitoui? Ça va? Yeah, ça va super. Ça va. Et pour la vidéo, je suis en compagnie de 708CN qui est juste là-bas. Donc, yeah. Le voici. Salut 708, comment tu vas? Salut Tinder, ça va toi? Yes, bah moi ça va super. Donc voilà, je suis accompagné de mes deux petits fistons. Non, je rigole. Je rigole 708. Okay, bref, en tout cas, juste avant que l'on commence la vidéo, si tu ne l'as pas encore fait dès maintenant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en activant évidemment la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, comme ça, tu ne loueras plus aucune de mes vidéos, surtout que j'en fais tous les jours, c'est super important. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite aussi à ce que tu mettes un gros pouce bleu. Voilà, essaye de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne aussi vite que tu le vois derrière ton écran. Et attention les potes, aujourd'hui, le grand défi, c'est de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo en moins de 2 secondes. Et attention, hein, parce que si tu ne le fais pas, il va t'arriver la même chose que ce que tu vois dans la miniature. Et franchement, à ta place, je te conseillerais de vite t'abonner à la chaîne si tu veux pas que ce qu'il y a sur la miniature ne t'arrive à toi aussi. Donc, 708CN et Twitoui, venez vers moi et vite fait pour qu'on puisse parler un petit peu. Yeah. Ok. Ouais. Alors du coup, Twitoui, tu m'as dit comme quoi aujourd'hui tu voulais tester des expériences sur moi, c'est ça? Ouais, j'ai envie de te... Attends. T'as envie de me quoi là? Parce que là t'as commencé ta phrase et tu t'es coupé d'un coup, j'ai un peu peur. Dis-moi, qu'est-ce que t'as envie de faire sur mon corps comme expérience? Parce que là, t'as envie de me faire un bisou. T'as envie de me faire un bisou? Oh, c'est mignon. Vas-y, fais-moi un petit bisou là. Hein? D'accord, ok. Et donc du coup, 708CN, toi aussi tu voulais tenter des expériences sur moi, mais quelles sont au juste ces différentes expériences? Parce que je vais pas te mentir que je flippe un peu, tu sais. T'inquiète, c'est pas de grave. C'est pas des trucs très graves. D'accord, oui. Bah ouais, non, mais j'aimerais quand même qu'on m'explique un petit peu. Genre, toi là, tu crois que je t'ai pas vu là? Attends, t'avais un couteau dans la main là, tu veux. Ouh les amis, je suis pas sûr d'être en sécurité à la maison. Hein. Il y a Twitoui qui se balade avec un couteau et qui me regarde. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il compte faire avec, mais j'ai pas envie de rester trop proche de ce petit là. Tu vas me quoi? Je vais aller. Tu vas me couper! Je vais couper du cochon! Ah, tu vas couper, du cochon! Ok, bah vas-y, va chercher du cochon un peu plus loin, hein! Allez, vas-y! Bon, les potes, hein, Twitoui me fait un peu peur! Eh, 708CN! Moi, si j'ai commencé la vidéo, j'ai pas envie qu'on vienne me couper en 2, en 4, en 8, hein! C'est pas forcément l'objectif de la vidéo, donc s'il te plaît, on surveille Twitoui pour pas qu'il me coupe en 2. Ok! Donc, les amis, c'est parti, on va directement commencer les premières expériences. Alors du coup, 708CN, qu'est-ce que tu voulais faire comme expérience? Après, évidemment, ça sera tout de suite d'en faire une. Donc du coup, 708CN, pour commencer... Je reviens de la lave ou pas? Tu veux voir si mon corps arrive à survivre dans la lave? Yes. Mais tu crois vraiment que moi, je peux survivre dans la lave alors que c'est ultra bouillant? Peut-être, allez. Bah allez, on va essayer les amis, on va voir un petit peu comment c'est. Dans ce cas-là, il faudrait que tu fasses un petit lac de... une petite piscine de lave. Tu sais quoi, on fait ça dans... On va faire ça dans le jardin. On fait ça dehors. Ouais, comme ça au moins on brûle pas la maison, hein, qui est toute neuve quand même. Ça va pas le faire. Ok, bah vas-y, viens. Regarde, on va faire ça juste ici, là, c'est pas mal. Hop, vas-y, on va faire une petite piscine de lave. En plus, regarde, c'est parfait, il y a déjà de la netherrack en dessous. Alors la netherrack, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est les c'est un outil qui ne brûle pas, quoi. En fait, il est parfaitement et il tient à la lave. Bah vas-y, je te laisse mettre de la lave. Ok, alors les amis, 708CN, il vient à peine de placer de la lave que ça y est, je sens déjà qu'il commence à faire chaud. Ok, donc voilà, donc là, on a de la lave un petit peu partout. Et attendez, donc là tu penses que c'est normal, 708, que je me baigne là-dedans, genre? Oui, t'inquiète. Tu crois vraiment que l'expérience... Ouais, les amis, ils ont l'air super confiants en plus. Hein. Alors, vous savez quoi? De toute façon, je me lave toujours comme ça, ça se passe toujours bien. Donc normalement, il n'y a pas de problème pour toi. Attends, toi, tu te laves dans la lave tout de suite, en train de me dire, là? Bah ouais, regarde. Mais wesh, mais qu'est-ce que j'entends là? Attendez, mais wesh! Mais wesh, mais attention, tu vas attraper chaud! Arrête, sort Twitoui! Ça fait du bien! Mais attends, mais comment ça? Est-ce que tu te baignes dans la lave, toi? Mais c'est pas trop chaud? Attends, papa, viens, je mets un plongeon. Tu vas voir, tu vas sauter. Ouais, attends, c'est ce que je me préparais à faire, là. On va faire un petit plongeoir, regarde. Hop là, comme cela. Eh, ça peut être pas mal, en vrai, non? Comme concept, de se mettre un petit plongeoir juste là. Allez, bon, les potes, ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, avant que je saute dans la piscine pour tester, du coup, la première expérience, qui est évidemment celle de 708CN, de voir si je tiens dans la lave, je vais d'abord vite fait la toucher pour voir... Ok, attention. Hop.
Ouh. Ah ouais, c'est chaud quand même, 708, hein. T'es sûr que tu veux que je saute de là-dedans? Oui. Bon, allez, bah, c'est quoi, eh. On a qu'une vie, les potes, hein. One life. C'est parti, vous êtes prêts, les amis? Attention, on va essayer de bien rebondir. Allez, ok, les potes, attention. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go! Wouh! Ah, ah, ah! Oh, c'est chaud! Ah, vite, de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide! Wouh! C'est chaud! C'est chaud, les potes! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chaud! Ah! Mais c'est ça, Etienne, mais c'est quoi ton expérience de fou là que tu m'as donné? Eh, hey, attends, non mais n'importe quoi. Ah, ah, non, non, pas d'eau chaude, pas d'eau chaude. Stop, 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 stop. C'est bon, hein. Eh, moi j'ai eu ma dose d'eau chaude pour aujourd'hui, hein, ça va aller. Ok, bon. En tout cas, les amis, pour ce qui est de la toute première expérience, je l'ai, bah du coup, on va pas se mentir, bien réalisé. Alors dis-moi, 708N, maintenant que j'ai fait la première expérience, du coup, de sauter dans la lave, je pense qu'on est tous d'accord pour dire comme quoi c'est pas forcément le milieu dans lequel normalement je traîne en général. Donc dis-moi, maintenant, TweetTweet, c'est à ton tour de me donner une expérience, ou t'en as peut-être une deuxième avant qu'on passe à celle de TweetTweet, 708N? Non, TweetTweet. TweetTweet? Ok. Bon, TweetTweet, on va commencer par l'expérience tranquille, et après on fera celle que tu voulais garder pour la fin, d'accord? Donc, dis-moi quelle expérience tu voulais tester sur moi avant qu'on fasse l'expérience qu'il y a sur la miniature de la vidéo. Ok, TweetTweet? Eh ben, en fait, je voulais voir si t'étais capable de boire ça. Attends, 2 secondes, j'arrive. Vas-y, vas-y, ok. Bon, j'ai peur de... Attends, tu penses qu'il va me ramener quoi à boire, là? Aucune idée, ça. Par contre, je sais pas. Oh là, les amis, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il nous prépare. Je m'attends vraiment au pire en connaissant TweetTweet. Bon, on va l'attendre tranquillement et on va voir qu'est-ce qu'il va nous préparer. Je t'attends dehors, TweetTweet, d'accord? Oui, oui, oui. Ok, bon, les potes, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer, les potes, mais on va attendre tranquillement. Ok, donc là, il met des mouchoirs de partout. Ok. Ça, bois ça. Ok, on va voir si t'es capable de boire ça. Bah, c'est juste du lait, non? Ouais, 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 t'inquiète. Attends, pourquoi tu me donnes ça aussi normal comme ça, là? Y a quoi dans ton lait, là? Il est piégé ou quoi? Non, t'inquiète, il est normal. Il est normal. Bon, eh, bah, si je c'est du lait... Je peux même le sentir. Tu fais voir. Je peux pas me sentir, c'est du bon lait de TweetTweet. Fais voir. Mmh. Ah ouais, ça sent bon. T'es allé le récupérer avec les vaches là-bas, là, non? Non, il vient de moi, papa. Ah, ok. Bon, allez, vas-y, c'est parti, on va le goûter. Attention, attention. Ah, oh, oui. Bon. Ah, c'est quoi ça? Ah, mais il est péri. Eh, hey, mais il est périmé, ton lait, hein, du dégoûtant. Mais non, il est trop bon. Bon, hey, les amis, j'ai pas du tout envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc, ce lait bizarre là. Je peux pas vous mentir qu'il avait un arrière-goût très très particulier. Mais bon, les amis, en tout cas, expérience réussie. Voilà, j'ai goûté le lait que TweetTweet est allé récupérer avec les vaches qui étaient plus loin. Alors, au vu du goût, je pense que c'était peut-être plutôt des chèvres, hein, parce que je sais que le lait de chèvre, c'est. Bah, alors, ça se commercialise, mais c'est un peu moins bon que le lait de vache, je trouve. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté le lait de chèvre, tout de suite dans les commentaires. Voilà, c'est la petite question. 708 scène, est-ce que t'as déjà goûté du lait de chèvre, toi? Jamais. Jamais? Bah, moi j'en ai goûté en fait. Et dis-toi que j'ai trouvé ça tellement pas bon que je pensais que c'était du lait périmé en fait. Mais non, c'était bien du lait de chèvre. J'aime pas trop ça. Tu dis, t'as déjà goûté du lait de chèvre, toi? Non, mais peut-être que moi je fais du lait de chèvre. Hein. Ah, bah peut-être, hein, peut-être. Bref, c'est bon, les potes. Première expérience du coup de TweetTweet réalisée. Alors maintenant, qui a une nouvelle expérience à me donner? Moi. Oh, vas-y, TweetTweet. Ok, bon. Peut-être qu'on va faire celle de 708 CN et juste après on fera la tienne, TweetTweet. Parce que c'est évidemment celle la meilleure pour la fin, tu vois. Donc 708 CN, quelle est ta nouvelle expérience? Dis-moi. Viens. Ok, je viens. Oula, oula, je commence à avoir peur. Alors on s'approche de la mer. Qu'est-ce que... Oh, me dis pas que tu veux que... Ouais. Ok, vas-y, dis-moi. Tu restes 5 minutes de l'eau. 5 minutes sous l'eau? Mais attends, mais genre tu veux que je fasse de l'apnée sans que je respire pendant 5 minutes? Mais je vais me noyer. Non, quand même 3 minutes du coup. Au pire, tu sais quoi? Eh, je saute dans l'eau, vous mettez un chronomètre et on voit combien de temps je tiens, d'accord? Ouais, bonne idée, c'est mieux. Ok. Eh, les amis, on va faire un exercice tous ensemble. Donc, toutes les personnes qui regardent actuellement, voilà, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on va faire un exercice d'apnée. Alors, voilà, l'apnée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, voilà, on entre dans l'eau ou on entre quelque part. Et en gros, on bloque notre respiration pour le plus longtemps possible. Alors, pour tous les abonnés qui regardent actuellement la vidéo, vous savez quoi? On va se faire un petit concours d'apnée tout de suite. En gros, voilà, je vais aller dans l'eau et pendant ce temps-là, je ne vais pas respirer. Et vous aussi, vous devriez le faire.
de votre côté et vous me mettrez combien de secondes est-ce que vous avez tenu. Allez, c'est parti. Bah moi je suis prêt, vous êtes prêts aussi? Ouais. Allez, ouais. C'est parti, attention, 3, 2, et 1. Attention, avant 3, 2, 1, go, vous aussi, dès que je dis go, ne respirez plus et mettez combien de secondes vous tenez dans les commentaires et on va voir un petit peu qui est le meilleur en apnée d'entre vous tous les abonnés. Allez, 3, 2, 1. Wow. Alors j'ai tenu longtemps hein? Ouais. J'ai tenu combien de temps cette 108 scène? 10 minutes. 10 minutes. Wow, je suis trop fort. Alors les abonnés, s'il y en a qui sont encore peut-être en train de faire de l'apnée à l'heure actuelle, comptez combien de secondes vous faites. Et une fois que voilà, vous en pouvez plus et que vous devez respirer, vous me mettez dans les commentaires combien de secondes vous tenez en apnée. Voilà, moi apparemment j'ai tenu 10 minutes. Bon, je suis pas trop sûr que c'était 10 minutes, je crois plutôt que c'était 10 secondes. Mais bon, hein, je pense que cette 108 scène, il voulait pas être méchant avec moi. Bref, maintenant on va passer à la toute dernière expérience de cette vidéo. Voilà, oh celle qu'on s'est gardée pour la fin. Et du coup, Twitwi, dis-moi, quelle est cette fameuse expérience totalement folle? Déjà, va falloir aller dans une salle spéciale, papa, parce que... Wow. Oula. Attends, comment ça, faut aller dans une salle spéciale? Qu'est-ce qu'on va faire, là, Twitwi? Oula. Oh, t'inquiète pas. Cette 108 scène, t'es au courant de qu'est-ce qu'on va faire, là, ou pas? Ah oui. Et ça va être bizarre ou comment ça va se passer? Parce que j'ai un peu peur, je vais pas te mentir. Un peu mal. Ah ok. Bah écoute, allez. Hein? Vas-y, bah tu sais quoi, on va aller peut-être chez, chez Rick qui habite juste à côté. Peut-être que chez le scientifique ça peut aller. Donc dis-moi. Non, on va pas là-bas. T'as un meilleur endroit peut-être. Ouais. Non, vas-y. Y'a un lit? Ouais, t'inquiète pas, il y a un lit dans la base Eric normalement. Vas-y, c'est parti, bah allez, vous savez quoi, on y va. Il y a tout de suite qui est en train de venir aussi, donc bah écoutez, vous savez quoi, c'est parti, tac. On part tous en direction de, pas de l'hôpital, mais voilà, de la base secrète à Rick. Donc voici où est-ce que du coup ça va se passer l'expérience. Donc, je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu peur de laboratoire, désolé, il y a un petit bug aussi. En fait, le serveur, je peux pas vous mentir, en ce moment, il a des gros coups de latence. Mais bon, voilà, là, on est bon. Donc, du coup, tout est comme je te disais, regarde, voici où on peut trouver des lits, etc. Donc là, on a des lits, vous avez pu le voir, regardez, là, on a des petits équipements, etc. Mais dis-moi tout de suite, pourquoi est-ce que tu voulais absolument qu'on ait un lit, là? Qu'est-ce que tu vas faire comme expérience sur moi, là? Oh, ça suffit pas, alors on va faire hop. Attends, mais qu'est-ce que tu fais, là? Wesh. Bon, les potes, avant... Ok, je vais me mettre là, les amis. Bon, les potes, en tout cas... Attends. Avant de faire l'expérience de Twitwi, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, dès maintenant, tout de suite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification et surtout mettez un pouce bleu. Parce que là, je sais pas du tout quelle sera l'expérience de Twitwi, mais je vois qu'il a un couteau dans la main, ça me fait un peu peur. Ok, donc attends, je m'allonge comme ça. Attends, je peux comme ça, là, c'est bon? Attends, je me recule un peu. Voilà. Ok. Hop. Oula. Oh. Qu'est-ce que tu fais, là? Twitwi. Fiston, me tue pas quand même, hein, s'il te plaît. Aïe, wesh. Ah, les amis, je crois qu'il est en train de me couper en deux. Les amis, il y a cette 108 scène, ça lui fait peur. Ouais, j'ai trop mal. Stop, arrête. C'est bon, Twitwi, t'as fini. Non, stop. Attends, mais... Twitwi, t'as pas un miroir pour voir qu'est-ce qui se passe là? J'ai peur. Qu'on met un miroir genre là pour que je vois un peu à quoi je ressemble, parce que ça me fait un peu peur là. J'ai l'impression que je suis pas en entier là. J'ai l'impression que je suis. Vas-y. Très beau. Je suis beau, fais voir. What? Très beau. Attends. Mais bien l'autre truc à côté. Attends. Ok, mais on va mettre deux miroirs. Attends, mais wesh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais Twitwi, mais je suis coupé en deux là. C'est quoi ce bordel? Wesh! Les amis, regardez! Regardez, les amis, je suis coupé en deux. Attendez, il faut que ma deuxième partie elle vienne vers moi. Attendez, regardez ça, les amis. Comme vous pouvez le voir, regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. En fait, je crois que mon cerveau, il vient de se couper en deux, de clairement se déconnecter. J'aimerais bien quand même que mon autre partie du cerveau se mette en accord avec moi pour qu'on se mette à côté. Ah, voilà, regardez. Juste là. Regardez ça. Comme vous pouvez le voir, je suis donc bien maintenant coupé en deux parties. Ouais, les amis, mais c'est un truc de... Mais Twitwi, par contre, pourquoi est-ce que ma deuxième partie de cerveau veut pas venir là? Eh oh! Eh, reviens! Où, papa? Reviens! Je suis vers le Apu là! Mais pourquoi est-ce qu'il part comme ça mon cerveau? Eh, reviens! Mais. Oui, oh, voilà, reviens! Eh, mais. Attends, mais tu m'entends? Tu parles? Eh oh! Bah oui! Attends. Quoi? Mais.
Attends, mais je comprends pas, pourquoi t'as la voix de Toutouille? Attendez. Ah, mais il peut pas parler, les amis, puisque évidemment, je crois que vu que le cerveau a été coupé en deux parties, il y a une partie du cerveau qui parle et l'autre partie qui réagit un petit peu. Donc, du coup, tu m'entends, c'est ça le cerveau? Ouais. Eh oh. Ouais, il m'entend, regardez, il fait oui. Non, mais Toutouille, je parle pas à toi, je parle à mon cerveau là. Ok. Dis-moi, tu veux pas qu'on essaye de trouver un moyen pour qu'on se raccroche là ou on fasse un truc? Hein? Non, tu veux t'enfuir, toi? Wesh, il veut partir! Mais non, reste avec moi! Twitwit, viens voir vite! Attends, il y a mon cerveau qui parle là, il veut absolument plus que. Il veut plus rester avec moi! Mais wesh, mais. Les amis, ce qui se passe actuellement est totalement improbable quand même, hein! Vous avez vu, hein, une partie de mon corps se balade pendant que l'autre est avec moi! Regardez un petit peu comment c'est mort, hein. Improbable. T'es pas mort. En effet, ouais, Twitwit, je suis pas mort, mais bon, là, je suis pas forcément au top de ma forme non plus, hein. Je pense que tu l'as remarqué. Attends, s'il te plaît, vite fait, reste avec moi, on va aller voir Twitwit et on va lui demander comment ça se fait que je sois coupé en deux comme ça, parce que je suis désolé, mais je trouve pas ça forcément normal. On va lui demander comment ça se fait. Attendez, on va retourner du coup. Vas-y, viens, on va retourner dans le laboratoire. Normalement, Twitwit, il est vers là-bas. Allez, c'est parti, tac, les amis. On retourne directement en direction du laboratoire, avec du coup ma deuxième partie qui est coupée en deux juste là. Mais franchement, je suis un petit peu choqué, hein. Mettez-moi dans les commentaires si vous me trouvez quand même beau gosse, mais ça fait bizarre. Allez hop, c'est bon. Ouais, Twitwit, regarde. Donc regarde, je suis là. Du coup, ouais, je disais, y a plus moyen de retourner en arrière maintenant qu'on est coupé en deux? Bah non. Attends, non, mais il y a forcément un truc là. Attends, et si on met du scotch ou si on fait un truc ou je sais pas moi, il y a un moyen quand même, non? Ouais, attends, je crois que j'ai une potion dans les trucs. Oh, ok. Oh, ouais, une potion, ouais, parce que si on pourrait se remettre de nouveau en bon truc, là, ça pourrait être cool, parce que vous avez pu le voir, regardez, Twinner, on va t'appeler Twinner partie 2, du coup, hein. Il est en train de se décomposer, on dirait. Attends, mais Twinner... Ah, ok, vas-y, passe-moi. Ok. La potion... Donc, attends, donc normalement, si nous deux on boit ça, ça devrait nous remettre dans le même corps, c'est ça? Bah ouais, hein. Ok, bah attends, vas-y, bah attends, à la tienne, attends, chin, ok, c'est bon, ok, on va goûter ça, ok, les potes, voilà, on a bu la potion, mais pourquoi est-ce que ça nous raccroche toujours pas, là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous allez tomber dans les pommes et ça... Hein, tu vas te réveiller. Ah ouais, c'est vrai que... Oh, les amis, je me sens pas très bien, les potes. Oh là, oh là là, les amis, attention. Oh, ok. Les amis, je crois qu'on va faire un petit somme et on se retrouve dans quelques instants. Ok, c'est bon, je viens de me réveiller. Attends, mais t'as pas un miroir ou un truc comme ça? Parce que là, je me vois pas, en fait, là. Attends, fais voir si ça s'est réglé le problème. En tout cas, je vois plus le Twinner partie 2 sur le sol. Peut-être que c'est bon, faites voir. Oh, attends, mais... Ah, mais... Attends, fais voir, je me touche au milieu, là. Oh, wesh, mais... Attendez, mais... Eh, mais regardez, les amis, c'est bon, je suis de nouveau en entier. Oh, wesh. Attends, mais cette 108 scène, tu m'as pas vu quand j'étais coupé en deux? Non, oh là là. Oh non, mais faut absolument que tu vois ce qui s'est passé, hein. Bon... Là, malheureusement, j'ai pas de preuve à te montrer, mais tu sais quoi? Dès que la vidéo elle sort, faut absolument que t'ailles la voir, hein. Ouais, c'était n'importe quoi. Regarde, t'inquiète. Ouais, va regarder parce que, moi j'étais là en train de courir, et pendant ce temps-là, il y avait une autre partie de mon corps qui se baladait de partout et ah, tout, c'est franchement. Bizarre. C'était trop drôle. Mais bon, voilà, c'est bon. Twitwit m'a remis dans l'ordre. En tout cas, franchement, Twitwit, plus jamais je refais d'expérience avec toi. Non, mais ça va pas, toi. Il a voulu me tuer, on dirait. Bref. Bah, en fait, j'en avais marre de toi. Ouais, c'est voilà. Ça, ouais, t'en avais marre de moi. Bah, attention, tu vas voir. Dans la prochaine vidéo, je vais me venger, tu verras, toi, là. Bref. Ah, moi, je vais doubler la maison. Hop, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Fais gaffe à toi, hein, si tu veux pas que je te tire les oreilles. Bref, en tout cas, voilà. Ça a été vraiment une vidéo incroyable. Comme vous pouvez le voir, du début jusqu'à la fin, j'ai carrément, même durant un moment de la vidéo, été coupé en deux. Franchement, voilà, c'était absolument incroyable. Bref, si la vidéo t'a plu et que tu aimerais en voir de nouvelles un petit peu de ce style dès maintenant, abonne-toi vite à la chaîne YouTube et mets la cloche de notification. Voilà, pour toi, c'est totalement gratuit, ça me soutient énormément. Donc voilà, un grand merci si tu le fais. Et puis, n'oublie pas dès maintenant de pourquoi pas mettre aussi un petit pouce bleu. Voilà, l'objectif, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait plus
plus de 2 personnes qui s'abonnent à la chaîne et plus que 2 aussi qui mettent un gros pouce bleu. Et si t'arrives à le faire, c'est que t'es vraiment le boss. Voilà, n'hésite pas aussi dès maintenant à aller devenir sponsor à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton devenir sponsor qui est en description. Voilà, n'oubliez pas que je fais des dédicaces à toutes les personnes qui prennent le grade sponsor boss ou même le sponsor Mega King. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient tellement les amis, vous vous en rendez pas compte. Merci à ceux qui le font. Et tu peux aussi, pourquoi pas même dès maintenant, aller sur ma boutique de vêtements qui est en description. Tu retrouveras des t-shirts, des pulls, des coques de téléphone et encore plein d'autres articles beaucoup trop stylés. Bref, va faire un tour. Et puis sur ce les potes, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Bye bye.